sucré. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule de tout le pleu. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. Je vous présente aujourd'hui mon invité d'honneur. Bonsoir ma fille. Bonsoir maman Laure. Ouais, vraiment, je suis la seule Laure de tout le pleu. Je suis très fière. Vraiment, pour vous retrouver, ce n'est pas facile. Hein? Donc chez nous, quand on vient en pays, d'abord on dit Tao. Tao, ça veut dire bonne arrivée. Donc vous êtes à l'émission Gourmet Sucré. Merci beaucoup, oui. Je suis très contente d'être là. Oui. C'est vrai que j'ai traversé un peu une période assez difficile, oui. Mais par la grâce de Dieu, les choses sont en train de se mettre en place. Merci. Et j'espère qu'on aura vraiment de très beaux échanges pour le plaisir des téléspectateurs de Ivoire TV. Merci. Parce que si toi déjà tu en parles là, c'est que tu connais. Parce que quand on rentre dans Ivoire TV, ça veut dire que c'est pour le monde. Parce qu'il y a des fois où je dis, quand on fait des films là-bas, ça reste à Yopougon seulement, ou bien ça reste à Très-Suivi. Mon médicament, c'est Dieu. C'est lui qui m'a dit, l'heure arrivée pour toi. À l'époque, je montais et après, il m'a abaissé. Quand Dieu t'abaisse, il ne faut pas te fâcher. Parce que mon mari était pilote. Moi, je roulais dans les BMW, je roulais dans les Volvo. Mais il y a un moment, j'ai commencé à rouler dans Baga, dans Wororo. Dieu savait que je devais passer par là. Moi, je n'accuse personne. Le jour que mon heure arrive, moi, je pars. C'est ça. Mais dans la vie, quand il faut aimer ton prochain, quand tu pries les mamans, quand on prie Dieu, prie pour tout le monde. Si Dieu tu m'as donné à manger aujourd'hui, celui qui est à côté, il faut lui donner aussi. Donc tout à l'heure, nous allons parler quand même des hommes. Aujourd'hui, parler d'habitude, je vous supporte. Vous pensez que non, soit. Vous pensez que c'est tous les jours. Souvent aussi, je vais parler un peu ce que vous faites aussi. Aujourd'hui, nous allons parler aussi des hommes. Le comportement des hommes quand ils vivent avec une femme à la maison. Quand ça ne va pas, je préfère qu'il n'y ait rien de tel quand deux hommes en parlent. Mais quand c'est en public, et puis toi le mari, tu t'en vas, parce que dans ma maison ici, là, si mes enfants sont pas là, que la seule à faire l'émission à telle heure, personne ne va savoir d'où ici. Parce que moi, ma vie même là, c'est un comportement que mon mari m'a laissé. De porte en porte, je peux vivre avec la voisine. Martin, j'ai le droit de te dire bonjour. Mais pour dire que la seule va aller s'asseoir dans ta maison pour causer là, c'est une gueule. Peut-être dans mon restaurant là, j'appartiens à tout le monde parce que je fais un commerce. Mais pour dire, à ce moment-là, non, elle est chez la voisine. Mon mari, non, Nyankou ne m'a pas habitué à ça. Donc l'habitude est restée en moi jusqu'à ce que je vais partir avec ça. Ce n'est pas une fierté, mais c'est une habitude qui est restée en moi. Est-ce que tu vois? Donc vous, les maris là, qui vivent avec les femmes, et puis on est au courant de vous là, je veux que, ma fille, il faut qu'on explique. On va parler de ça ce soir en tout cas. Il n'y a pas de problème. On va parler de ça. Souvent, tu vas bouder ta femme jusqu'à, même au lit même. Il va faire semblant, prendre sa queue, mais passer sur son dos. Elle va faire semblant, mais prendre ses seins, faire ça. Monsieur Ronfou, il fait comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? On ne veut pas, on laisse, on ne force pas. Ou bien? C'est ça, je suis parfaitement d'accord. Quand on a un problème dans le foyer, il faut pouvoir en parler. Parce qu'avant de se mettre dans le foyer, on était deux. Et dans le foyer, on est toujours deux, même quand il y a des enfants. Donc, quand il y a une situation pénible, monsieur et madame doivent pouvoir s'asseoir pour évoquer la situation. C'est vrai que souvent, les palabres font partie de la vie de couple. Hein? Oui. Voilà, on ne peut pas, même avec les parents, avec les frères et sœurs, on se chamaille à la maison. Donc, ce n'est pas dans le couple là. Et je le dis toujours aux gens, je dis, c'est dans le couple qu'on pêche le plus. Quand tu vis avec un garçon ou une femme là, c'est là même que tu vas faire des péchés. Parce que tous les jours que Dieu fait, tu es obligé de t'adapter à certains comportements, obligé de parler, de dire des choses ou de penser des choses qui ne t'arrangent pas. Mais c'est pour ça. Éviter vraiment de pécher, je crois que c'est bien que les membres du couple s'asseyent et parlent de leurs difficultés. Même si on fait de petites palabres, mais il ne faut pas que le soleil se couche sur la colère des membres du couple. Ce n'est pas possible. Bien. Il y a un problème, on essaie de le régler sur le champ ou le lendemain, mais il ne faut pas que ça excède, il ne faut pas que ça fasse 24 heures. Il faut toujours pouvoir régler les problèmes. Dans certains foyers, des fois, c'est pour de petites choses que le monsieur est fâché. Il ne parle pas à sa femme. Bon, les femmes, en général, on dit qu'on aime bouder. On dit en général que les femmes aiment bavarder, les femmes aiment ci, les femmes aiment ça. Mais il y a des hommes qui passent leur temps à ne pas parler à leur partenaire. Les papatous, ils sont pleins. Moi, mais j'ai mon frère. Hey, je t'ai dit, mais là, je suis à la télévision. Je t'ai dit, a dit ça. Mon frère peut venir chez moi. La seule heure, ma femme là, c'est une sorcière, c'est la vie de tuer. Oh, je ne la veux plus, il va la salir. Mais le soir, tu t'en vas. Souvent, il a les deux hommes ensemble, dans la même chambre. Et c'est là, la femme n'est pas sorcière, toi-même qui es le sorcier. Parce qu'un homme qui parle trop de sa femme à ses parents, c'est une manière qu'on boude la femme. Il ne la protège même pas. C'est une manière qu'on boude. Tu finis de l'insulter, mais pourtant, quand il ne la voit pas, il devient fou.
Donc, quand ta femme est sorcière, c'est sorcière qui marie sorcière. Si elle est sorcière, c'est que vous êtes dans le même club là. En tout cas, tu vois, moi, j'ai erreur quand je cause à mes, j'ai dit à mes enfants, si vous avez un problème avec votre femme, ma porte, je n'ai pas besoin de quelqu'un ici. J'ai toujours affaire à ma belle-fille. Ce n'est pas parce que je t'ai mis au monde et puis tu allais faire du tapage, je vais te défendre. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Pour marier mon mari, Nyankouli, là, il n'y a pas eu de témoins. Mes parents même sont à Bobo ici, il faut leur demander si un jour qu'ils ont témoigné, ce qui ne va pas. Mon mari à Biétri, quand je suis, tu vois que Nyankouli et moi, qu'on ne veut pas se sentir, c'est qu'il m'a mis pour vous. Ça veut dire que je suis enceinte. Parce que quand moi, je suis enceinte, ah, il devient mon ennemi. Mais souvent, je suis enceinte, il devient mon ennemi, mais la nuit, il n'est pas mon ennemi, je m'approche. Parce que j'ai besoin de chaleur de quelqu'un. Mais vous, les hommes qui aiment faire des papatoyas, qui aiment ici raconter la vie de ta femme, ma femme, elle ne peut pas m'arranger, elle ne peut pas t'arranger, il faut la laisser. C'est simple. C'est simple. Quand vous êtes en couple, et puis ça ne marche pas, ça ne marche plus, ben, il vaut mieux s'asseoir, en discuter, et puis on se sépare tranquillement. Mais bouder la femme, c'est-à-dire que la femme fait à manger, des fois pendant une semaine, toi, quand tu rentres à la maison, quel que soit ce que la femme a fait, parce que je sais qu'il y a des téléspectateurs qui sont en train de se dire en ce moment, mais la femme a fait quoi? Mais ce n'est même pas une question de la femme a fait quoi. C'est une question de savoir vivre, c'est une question d'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas en même temps chercher à lui faire du mal en se disant, je lui fais du mal pour son bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, ta femme t'a fait quelque chose. Peut-être quand tu rentres, tu es un peu fâché, ça peut se comprendre, tu prends le temps de te calmer. Mais après, tu parles avec elle. Si elle a fait la cuisine, tu t'assois, tu manges. Mais tu ne manges pas sa nourriture. Tu vas dans la chambre, tu ne la touches pas. Le matin, tu te lèves, tu t'en vas au travail, tu ne lui parles pas. Et puis, il n'y a rien, ça ne te gêne pas. Vous êtes dans la maison une semaine. Il y a des couples. Moi, j'ai eu à gérer le problème d'un couple. Pendant un an et demi, ils sont dans la maison. Ils ne se parlent pas. Moi, je connais des grands couples, des grands personnages de ce pays. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Ils sont dans la même chambre. Ils font tout. La femme dit, la seule l'or, il ne me parle pas toujours. Je me suis déplacée. Je suis allée là. Il dit, non, maman, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Quelqu'un dit, il n'y a rien. Tu vas dire quoi? Si au moins il dit... Parce que moi, je pense que les hommes, là, c'est une manière de faire la sorcellerie, puis même. Parce que ce n'est pas tous les sorciers qui sont en bourse. C'est ça, c'est clair. Il y en a, ils sont dans la maison. Est-ce que tu vois? Une personne. Moi, mon secret, quand j'étais avec mon mari Nyankouli, j'avais deux robes de nuit. Quand je sais que j'ai pas raison là. J'ai vieilli, hein, mais sinon, à mon jeune âge, tu ne peux pas. Quand il a assis, je l'ai servi. Lui, il se fâche, mais il ne se fâche pas avec la nourriture. Hein. On dépose, je m'assois devant lui, puis je fais mes jambes comme ça. Quand Nyankouli regarde ça, il dit, toi-même, je demande si tu n'es pas malade. Elle parle mon affaire, puis, bon, d'accord. Je vais au lit, dès qu'il arrive, derrière la robe de nuit est tombée. Palabre est fini. Et les enfants disent, mais papa disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, maman va partir. Mais ils sont en train de prendre café ensemble. Moi, mon palabre, mon mari et moi, là, je n'explique à personne. Parce que tu ne peux pas arranger moi, mon palabre. C'est clair. Tu ne peux pas mettre, ce n'est pas ton affaire. C'est avec mon mari, j'ai fait mon palabre. Est-ce que tu vois? Donc, les femmes, les garçons, Bakwato qui aime raconter la vie de leur femme dehors là, c'est pas bon. Parce que les amis même qui ne peuvent pas se comparer à vous, qui vous envient, il y a des quartiers souvent quand ils te voient que tu es allé payer sera de 200 francs, tu as pris à Afrique là, ils vont te bouder. Parce qu'il y en a même qui ne gagnent pas ça. Mm-hmm. Toi les soirs tu es assis là, tu as ton 2020 qui est là, tu as fait agoutir, tu as brisé ça demain, mais tu demain les mis de tout le monde, qui va gagner ça la nuit là? Et puis l'entendre nous envoyer fumer. La jalousie, c'est ce qui provoque la sorcellerie. Est-ce que tu vois? La femme, quand elle aime, en tout cas, elle aime. Elle aime. Elle est à 100%. Et personne ne peut la détourner. Quand une femme t'aime, et surtout quand tu lui fais le retour, parce qu'il y a ça. Une femme peut t'aimer, mais il faut que tu lui fasses le retour. Il faut que tu l'aimes aussi, que tu lui donnes de l'affection, de la tendresse. Quand la femme a ça, elle reste tranquille. Quel que soit le monsieur qui va tourner avec de l'argent, avec des propositions, la femme reste dans son foyer. Mais ma fille... Il y a les femmes aussi, je suis d'accord. Il faut payer même voiture. Paye une maison, donner à sa maman qui n'a plus de dents au village là. Fais tout. Mais si elle dit, elle va te tromper. Oui. Il y a des femmes. Tu vas donner même son cœur. Si elle dit qu'aujourd'hui, elle va te tromper, puis toi-même, tu ne crois pas. Il y a des femmes aujourd'hui, il y a des hommes qui sont leurs boys. Il y a des hommes même, ils préfèrent écouter la femme qu'écouter sa famille. Il y a des foyers aujourd'hui, il y a des hommes aujourd'hui, dans leur foyer, à cause de la femme aussi, souvent, ils ne parlent pas à leurs beaux-parents. Je suis d'accord. Parce que ma femme, vous ne parlez pas à ma femme, vous n'aimez pas ma femme. Moi aussi, je ne vous parle pas. Et le monsieur, il a... Mais tant, pour toi, quand ils ont coupé Nyama et la famille, il faut le prendre aussi bien. Est-ce que tu vois? Sinon, quand tu vois une femme
qui paie son mari. Et tout le temps qu'il ne veut même pas changer de tenue, elle est reconnaissante. Elle sait où ils sont passés. Quand mes bons parents me disent, mais toi toujours, tu pas de Nyankou. Je dis d'abord, hein. Je ne suis pas allé à l'école, hein. Ils n'ont qu'à fouiller partout. Dieu même le sait. J'ai déjeuné dans les avions. Moi, je dis là, j'entends Wororo, on tape au bac à poussière dans mes narines. J'ai dit, je suis fière, je suis en convié, regarde l'âge que j'ai. Je suis très fière, je suis fière de ce que je veux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué à certains journalistes, bien certains, il suffit qu'elle soit simplement à la radio, c'est fini, pour te dire bonjour, c'est un tout. On n'est qu'à se faire respecter aussi. Et encore, tout à l'heure, je viens de comprendre que il y a des choses que tu ne veux pas d'une personne. La personne reste avec toi jusqu'à. Il y a des familles même qui sont à une fille pendant 20 ans. Il ne faut même pas aller dire quoi à leurs parents, hein. Mais ils sont là. Il n'y a pas de dot, il n'y a rien. Elle est là, et toi, comme si c'est ton mouton de porte de deux que tu surveilles là. Un peu de respect pour les gens. Quand tu ne veux pas enfant des gens, tu la libères. Tranquille. L'amour, c'est pas. Vous, la vie, l'amitié continue. Je préfère que moi, j'ai eu des couples qui sont plus ensemble. Mais ils sont amis. Ils sont amis comme d'une ça. D'une manière, je ne peux pas imaginer. La femme est dans un autre foyer. Mais quand elle a un problème, le mari appelle son ancien mari là. C'est lui qui dit non, ne faites pas mais ça. Mais c'est à ça qu'il faut arriver. Voilà. Souvent, moi je vois des débats un peu sur les réseaux sociaux ou ailleurs où les gens reprochent aux ex, on dit ancien feu se rallume vite, où on reproche parfois aux ex d'être trop proches. Il y a des feux là. Quand c'est mouillé, mais tu ne peux pas allumer, franchement. On ne peut pas allumer. Donc, en fait, surtout quand il y a des enfants, les parents doivent faire l'effort, quel que soit ce qui s'est passé, de s'entendre pour le bien-être des enfants. Parce que les enfants, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Les enfants, voilà, c'est vous, par votre amour, vous avez fait en sorte que les enfants la viennent. Donc, il faut s'en occuper. Il faut pouvoir les gérer. Et on gère les enfants à deux. On ne laisse pas les enfants avec la mère ou on ne laisse pas les enfants avec le père. Non. Pour avoir des enfants équilibrés, des enfants stables, il faut que les enfants grandissent en général, hein, avec papa ou maman. Et même quand les parents sont séparés, il faut que chaque parent ait son mot à dire dans l'évolution de l'enfant pour que l'enfant soit bien dans la vie. Mais c'est donc c'est important que les ex... C'est très important. C'est important parce que les ex se parlent, que les ex soient ensemble, que les ex se voient, non pas pour aller à l'hôtel ou quoi, mais pour parler de l'enfant. Parce que souvent, qu'est-ce que les enfants nous font dans les maisons? L'enfant vit avec sa mère, il a envie de voir son papa, mais il ne sait pas comment le dire à sa maman parce qu'il a entendu des choses, tout et tout. L'enfant va commencer à avoir un comportement inadapté, inapproprié. L'enfant peut commencer à voler, peut commencer à mentir. Il peut aimer les fréquentations de dehors et rentrer tard à la maison. Mais quand on fouille bien, quand on fait asseoir l'enfant, puis on lui parle, on lui demande tranquillement, tu as quel problème? Qu'est-ce que tu aimerais? Pourquoi tu te comportes comme ça? Après, on finit par découvrir qu'en fait, il y a un manque. Et en général, quand il y a des manques, les enfants se font remarquer. Si vous constatez dans les maisons, si vous avez un enfant qui vole, si vous avez un enfant qui ment, si vous avez un enfant qui se drogue, si les parents ne vivent pas ensemble, il faut regarder du côté de l'un des parents. L'enfant a envie de se rapprocher de l'autre parent, mais il se fait remarquer. Il y a des enfants qui sont des drogués. Ça là, il y a des enfants qui sont des drogués. Ils sont des drogués. Papa même va lui donner tout. Maman va lui donner tout. S'il va prendre drogue là. Il ne faut pas donner tout aux enfants. Il va s'enjailler. On ne peut pas donner tout à un enfant. Non, on ne donne pas tout à un enfant. Parce que quand tu donnes tout à un enfant, il y a toujours un manque. Le tout que nous, on estime tout, là, il y a toujours un manque. L'enfant a peut-être un besoin, tu le couvres de cadeaux, tu le couvres de ceci ou de cela. Mais il a un besoin affectif que tu ne combles pas. Il va rechercher ça dans le paradis. C'est pas parce que je suis à la télé, on me connaît pour ça. Je ne supporte jamais un enfant. Ça, je ne le fais pas. Mon enfant, si tu es volé, tout le quartier sera au courant. C'est clair. Je t'appelle. Madame, viens ici. Bonsoir, voisine, ça va? Tu connais l'enfant là, il ne faut plus l'envoyer. Si une bouteille de gaz est perdue chez toi, c'est lui. Et puis, il est là pour toi, viens taper à ma porte pour dire la seule. C'est la gendarmerie qui va t'accueillir. Je t'ai déjà averti. Tu peux envoyer tout le monde. Parce qu'il y a des mamans, les enfants sont volés. Quoi. Mon enfant ne fait pas ça. Ton enfant ne fait pas quoi. Moi, j'en ai 8. Ça, c'est pas bon. Marie-Laure dit elle en a 8 enfants qui vivent. Sauf un qui a disparu dans la guerre. Sinon, j'ai 8 que Dieu m'a donné sur la terre. Donc, il faut te dire que quand on parle, un enfant mais naît avec son éducation. Est-ce que tu... Depuis le bas âge. Oui. Regarde, j'ai vu avec des jeunes ici, des enfants... Mais regarde, la politesse, on est avec ça. Est-ce que tu vois? Quand tu arrives, mémé... Parce qu'un enfant qui est impoli, il n'a pas le temps de venir vers toi. Il ne connaît pas l'âge. Tu es vieille, ce n'est pas son problème. Mais la bénédiction d'une mère, ce n'est pas forcément celle qui t'a mis sur la terre.
une mère unie. Est-ce que tu vois? Quand tu dis, ah, tu dis carrément, mon fils, merci. Ou bien, ma fille, merci. Tu es déjà béni. Est-ce que tu vois? Mais l'enfant, j'ai remarqué souvent, c'est comme l'homme. Quand tu aimes trop l'homme aussi, il fait un peu son malin. Ah ça. Quand tu l'aimes, il sait que tu l'aimes aussi beaucoup, il fait son malin. C'est pour ça qu'il faut créer le mystère. C'est ce qu'on appelle le mystère. Une femme ou même un homme doit pouvoir créer le mystère. Il ne faut pas tout le temps abreuver le monsieur pour lui dire « je t'aime ». Tous les jours, c'est toi qui l'aimes. Tous les jours, tu veux l'avoir au téléphone. Tous les jours, tu veux l'avoir auprès de toi. Non, il y a des femmes. C'est pas bon. Il y a des femmes, mais escroque, maman aussi. C'est pas bon. Parce que quand elle sait que le monsieur sera payé, c'est là son aimé à sort. Il y a des femmes, mais c'est pas bon. Il faut savoir se détacher. Regarde par exemple, jour de fête comme ça, là. Fête de janvier. J'ai eu plein de femmes qui m'ont appelé, qui ont divorcé. Moi, aujourd'hui, il n'a pas payé, il ne m'a pas tressé. Mais faites fini. Faites pour deux jours, tu vas perdre pour ton foyer. Pour deux jours, tu vas perdre ton foyer. Pour deux jours seulement, tu vas perdre. C'est pas possible. L'habillement, c'est pas moi. Je pense que c'est le cadavre qui s'habille. Mais tout ça aussi, c'est une question d'éducation. C'est l'éducation, vraiment. Parce que je vais me lever pour dire qu'on ne m'a pas habillé. Moi, la seule, là, quand ma mère m'a mis sur la terre, la première des choses, on dit madame, envoyez servir. Je suis déjà habillée. C'est clair. Est-ce que tu vois? Moi, l'habillement ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je dois faire pour que les enfants la deviennent un jour quelque chose? Qu'est-ce que je dois faire pour que, même si je ne suis plus sur la terre, la seule affaire à Dieu, notre maman passe à la terre. Qu'est-ce que je peux laisser comme héritage? Héritage! Voilà. Et l'héritage n'est pas que financier. Voilà. L'héritage, il est physique, il est moral, il est spirituel. C'est ça. Voilà. Donc, il faut laisser tout ça aux enfants. Il faut laisser tout ça aux enfants. Moi, je dis par exemple souvent à mes enfants, celui d'entre vous qui va créer ses problèmes dehors, qui va chercher ses problèmes dehors, le jour où on vous rafle, ne m'appelez pas. Je suis claire. Si tu es resté dehors jusqu'à 20h, 21h, c'est ton problème. Le jour où on te rafle, parce qu'on rafle aussi, même quand on a les pièces, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Mais ça fait des heures. Tu ne m'appelles pas. Le jour où tu allais voler quelque part, quand on te convoque en prison, au commissariat, tu ne m'appelles pas. Le jour où tu enceintais une fille dehors, alors que tu n'as pas fini tes études, je récupère l'enfant. Il n'y a pas de souci. Je récupère l'enfant. Moi, je cherche des enfants. Mais toi. Mais dépense des bébés là. Monsieur, viens. Toi, moi, tu as une queue, tu es allé faire enfant. Bonne année. Bonne fête, bébé, mon petit-fils. Bonne arrivée. Mais papa, toi, tu es responsable. Parce que Dieu merci, au moins, tu n'as pas embrouillé enfant déjà, n'a pas enlevé grossesse. Moi, mes petits-enfants, c'est nous, chez nous, on est Nandou. Ça veut dire que celui qui est pour ton petit-fils, là, c'est ça qui est pour toi. Et puis, j'entretiens bébé, mais toi, tu ne gagnes plus l'argent. Ah, c'est ça que je dis là. Tu ne gagnes plus avec moi, ils me connaissent. Boris, quand je parle à la télévision, c'est de vous, je parle. Vous me connaissez. C'est mes petits-enfants, eux au moins, ils n'ont rien à voir. Je suis leur grand-mère, mon sang coule dans eux. Oui. C'est pour moi. Mais, parce que les enfants, ils se disent que nous, les mamans qui parlons beaucoup, on parle beaucoup, on est très gentil. Une mère qui parle beaucoup, connaît pas la sorcellerie. Elle n'est pas dans le noir. C'est vrai. Mais quelqu'un qui dit, moi, je n'en parle pas. Il faut avoir peur de cette personne. Elle respire sur toi, elle respire sur ta vie. Alors qu'une mère, quand ça ne va pas, souvent, j'appelle mes enfants, je dis, bon, écoutez-moi. Je suis en train de partir, hein, parce que quand il fait jour, mon âge l'âge augmente. Je suis en train de partir. Vous qui va rester sur la terre, une mère ne doit pas avoir parti. J'aime l'autre, je n'aime pas l'autre. Il faut aimer tous les enfants. Il y a des mamans aussi, vous là, quand le premier travail, on oublie tout le reste. Parce que c'est lui qui fait la maison. Mais demain là, tu ne sais pas aussi ce que l'autre va faire. Demain, lui qui va se laisser derrière, il va même battre le premier. Il faut les mettre sur les mêmes points. Moi, je connais des familles aujourd'hui parce que c'est le petit frère. Parce que le grand frère fait rien. Mais quand tu le vois insulter le grand frère, parce que le grand frère fait rien, quand il finit, ça m'a dit, mais si tu ne l'avais pas provoqué, toi, tu es une mère sorcière. Je t'ai déjà dit qu'un jour, je vais te récupérer sur mon antenne. C'est la sorcellerie qui pratique. C'est toi seul qui as mis les deux au monde. Si le grand frère aujourd'hui ne fait rien, son petit frère est grand type dans une grande boîte. Il faut dire, grand frère, viens être mon gardien. C'est bon. Le grand frère aujourd'hui, lui, il est dans le bois, c'est qu'au bois, parce que le fils a pris une villa pour toi. Vous ne le respectez pas. Mais demain, là, quand il y a le soleil, il y a la pluie qui est là. C'est clair. Prie bon Dieu. Ou bien si tu as vendu, tu as sacrifié grand frère quelque part, pour ne pas qu'il bouge là. Feu à toi là-bas. Feu! Ta société n'a plus de pouvoir. Parce que ce n'est pas possible. Le grand frère, il est là, il traîne derrière ses petits frères comme ça. Hein? Et puis le petit frère va insulter son grand frère. Toi, tu sais, il est l'aîné, il insulte. Et puis tu dis, mais quand il t'a insulté, il fallait que tu étais. Est-ce que elles sont moines, mon guide? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le droit d'aînesse, ça ne se fait pas. Qu'on dise. Et encore, la seule lors, je suis là pour toujours pour vous parler, pour vous donner des conseils. Les femmes mariées qui sont dans les services, là, respectez des heures de rentrée. Quand il est à cause d'embouteillage, on ne peut pas accuser. Mais au moins, à la rigueur, 19h, 20h, madame, il faut venir à la maison.
Mais vous venez jusqu'à 2h du matin. Le mari qui est rentré avant toi, il a mangé, il a fait comment, tout ça, ce n'est pas ton problème. J'étais en réunion avec le patron. Patron, vous le patron qui prenez femme des gens, vous faites une réunion jusqu'à 1h du matin là. Si c'est un travail maintenant de caleçon, si ce n'est pas un travail dans votre cahier pour donner des idées, si tu as un patron qui était, dis-toi que celle qui est ta secrétaire là, elle est mariée. Femme là, elle est mariée. Si elle ne t'a pas dit là, elle est mariée. Toi-même qui es l'homme, tu es papa. Parce que dans la maison, il y a un certain temps quand les enfants arrivent, maman, papa n'est pas encore arrivé. Tout cela, ça compte. Vous faites une réunion. Si tu viens aller en mission, vous partez en mission. Mais dans même habillant, puis on descend à 1h du matin. C'est qu'un camion qui roule. Même si vous êtes véhiculé. Et madame, ça ne te gêne pas aussi pour venir taper à la porte de ton mari. Monsieur est couché, c'est le monsieur qui va te lever. Ah, la réunion là, quelle réunion? Ça, c'est une réunion maman, de couple. Maman, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais ça dépend des métiers. Ah, bon, toi, tu l'as déjà dit. Nous autres là. Moi, j'étais sur une chaîne de télévision. Et puis tu rentres à 2h. Oui, maman, attends que je t'explique. On était 6 femmes. Mm-hmm. On avait une émission de femmes. Mm-hmm. On commence les tournages parce que nous toutes, chacune a son travail. Et puis après, on fait la télé. 19h, on commence les tournages. Mm-hmm. Mais on peut tourner 3-4 émissions par tournage. Donc quand on finit, moi, il arrivait des moments même où mon mari, père son âme, venait sur les plateaux pour venir me chercher. Parce qu'il sait le métier que je fais. Quand on s'est rencontrés, il savait. Toi au moins, tu es journaliste. Ça dépend, voilà. Il connaît. Il sait. Voilà. Mais quelqu'un comme ça... Il y a des gens qui n'ont pas de raison. Non, il voilà, y a des gens qui n'ont pas de raison. Toi au moins, il sait que... Par exemple, aujourd'hui, moi, je viens au travail très tôt. Oui. Tout à l'heure, si j'ai au moins 2 cas, je peux rester jusqu'à 20 heures. Voilà. Les enfants savent que j'ai dit aux enfants que je viens à Ivoire TV. Si on vient ici, d'ici là, je rentre directement chez moi. Même si Ivoire TV veut te garder jusqu'à 22h, 23h, fait une mission, c'est là. Mais ils savent que maman est là. Maman est ici. Mais c'est ça. Une personne, tu es dans ton foyer. Et encore, et toi qui rentres tard, c'est toi qui parles encore mal. Ah non, tu ne sais pas que j'étais en réunion. Il y a des paroles, on ne dit pas comme ça. Je suis d'accord. Il faut que ma fille, on soit clair. Il y a des paroles, il y a des savoir-vivre. Je suis d'accord. Et quand tu, parce que ton homme, c'est pas... On dit l'homme, le roi de la maison. Il y a, après le roi, il n'y a pas de roi. Le roi est roi. Donc quand il vient, ah chérie, excuse-moi, absolument du retard, bon vraiment, à cause d'emboutière, l'homme adore quand on le prend comme ça. Mais quand tu lui coupes, souvent il y a des femmes habillées qui rient, qui font... Parce que ici, il y a coup de poing enlevé dedans. À cause de son mal parlé, dans les parties. Et je veux même qu'on donne toujours, tous les dents dans le cas, quitter le cas, même protège. Parce que les femmes aussi, souvent, elles ne savent pas parler à l'homme. Est-ce que tu vois? Ton mari est journaliste. Mais toi aussi, ton travail, tu fais là. Je pense que quand une femme arrive à parler mal à un homme, c'est qu'il y a eu un problème à la base. Non. Il y a la base. Qui fait à un moment, il y a eu un laisser-aller. Il y a eu un laisser-aller qui fait que la femme se croit tout permis. Donc, dans le couple, quand on se met en couple, dès le départ, il faut que chacun sache. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays du monde, c'est qu'on ne forme plus nos enfants à vivre demain dans un foyer. On forme les enfants pour devenir médecins, pour devenir pompier, pour devenir avocat, pour faire tous les métiers. On forme les enfants pour s'adapter à certaines choses dans la société. Mais combien de parents forment leurs enfants pour devenir le mari de quelqu'un ou bien la femme de quelqu'un? C'est ça! Parce que quand souvent on a affaire à un mauvais mari fait une mauvaise femme. Une mauvaise femme fait un mauvais mari. Non, ma fille. Dans la pratique, moi. Moi, j'ai remarqué. Dans la pratique, ce on n'apprend pas ça à nos enfants. Non, ce que j'ai vu, ce que tu dis, je suis d'accord. Mais tu peux avoir un bon enfant, un bon garçon. Il marie toujours une mauvaise femme. Bah, le mari peut être gentil. Mais si la femme est méchante, on sent ça directement. Mais donc lui, il a fait quel choix? L'enfant, il a été éduqué comment pour faire le choix d'une mauvaise femme? Est-ce que sur le dos de la femme, celle-là, elle est méchante? Les méchantes pour rentrer dans un foyer, elles se laissent tout aller. Mais c'est... ça, c'est tout le monde, maman. Non, mais. Ah, dit, maman, garçon, Marie. Garçon, même quand il te cherche, là, il est gentil. Vous cherchez, là, vous faites semblant que vous êtes bien. J'ai dit, garçon. Quand vous rentrez, c'est le contraire. Maman. On doit avoir l'étiquette. Maman. On doit avoir l'étiquette. Les hommes, là, quand ils te cherchent, ils sont les plus doux. Ils vont t'appeler 10 fois dans la journée. Ils vont te faire des cadeaux. Ils vont faire ci, ils vont t'accompagner chez les parents. Ils vont tout faire. Une fois que tu es rentré dans le foyer, tu lui appartiens. Les choses changent. Parce que c'est quoi? Mais si ça a changé. Parce que c'est quoi? Excuse-moi, si ça a changé,
au départ, il est parti bien avec toi, non? Mm-hmm. Le comportement que tu as eu au départ, là, il faut que tu restes dessus. Il pas tous, il pas tous non, bien. Non, mais toi, c'est à toi. Le départ était bon, non? Mais c'est pas que tu as changé aussi. Changé, oh bien, c'est ton non, drap. Maman, en fait c'est pas forcément le changement de personnalité. Souvent, on se dit que l'amour du début doit rester pareil. C'est-à-dire, de la façon dont on s'est aimé, de la façon dont tu faisais au début, là, c'est comme ça que tu dois continuer. Non! C'est même pas possible. Donc, parce que quand on s'est connu, il n'y avait pas d'enfant. Tu as plein de comportements, hein? Il y en a maman, pour doux, pour rentrer, et puis il y en a pour maman, papier. Maman, le truc c'est quoi? Quand on s'est connu, au départ, là, on était peut-être tout le temps dans les maquis, tout le temps dans les boîtes de nuit. J'aimais ça, tu aimais ça. Maintenant, à un moment, j'estime que tu as changé. Mais c'est pas le mari qui change. C'est les éléments, ce qu'on vit, qui fait qu'il y a des changements. Par exemple, on a des enfants. Mais quand on a des enfants, on ne peut plus passer le temps en boîte de nuit comme on le faisait au début. Voilà. Quand, par exemple, au début, on ne travaillait pas, on se retrouvait, peut-être chacun était chez son parent. On était chacun chez soi. On n'avait pas de dépenses à faire sur le loyer de la maison. Sur le loyer, sur l'électricité, il n'y avait pas de dépenses. Mais quand on se met en couple, il y a des choses qui changent. Parce que tu vas payer maison. Qu'est-ce qu'il échange maintenant? Comment tu vas payer maison? Vous ne travaillez pas avant. Maintenant, vous travaillez, mais vous devez payer la maison. Toi ou bien c'est l'homme? Non, c'est-à-dire au départ, chacun est chez lui. C'est-à-dire moi, je suis chez mes parents, tu es chez tes parents. Et puis, on s'aime. Donc, on est tout le temps en boîte de nuit. On est tout le temps dans les maquis. Et toi, la femme, que tu es tout le temps. Bah, pas de nuit, il y a des champagnes qui font 100 millions. Ah, vous mais payez ça. Maintenant, toi, la femme, c'est toi qui dois donner les idées à ton mari. Oui. Ah, mon mari, vraiment, je sais qu'on va former un couple là. Mais excuse-moi, les histoires de bar climatisé, quoi là, c'est toi la femme. Si l'homme, lui, s'était allé, c'est toi aussi, il faut lui donner des idées. Oui, mais à un moment, on arrête. À un moment, on arrête. Ah, quand il n'a plus rien, là, non, vous arrêtez. Pas quand tu n'as plus rien. Quand on doit se mettre en couple, quand on doit faire une vie de foyer, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Déjà, si la femme prend une grossesse, elle ne peut plus suivre son mari. Donc, il y a des changements qui viennent là. Moi, je vois les femmes enceintes qui sont dans le bar climatisé. Je les vois. Il y a des changements. Quand elle accouche aussi, quand la femme accouche, il y a des changements. Parce que les premiers jours où elle accouche, elle ne peut pas aller avec son mari. Déjà, ça, c'est une éducation que nous, les mamans, on doit donner à nos filles pour que nos filles comprennent qu'à un moment dans la vie du foyer, là, c'est plus les « je t'aime », les petits chichis du début. Il y a des réalités. Donc, à un moment, le monsieur n'aura plus sa femme comme il l'avait au début tous les jours parce qu'elle a fait enfant. À un moment, le monsieur lui-même, il ne va plus dormir parce que l'enfant fait ses nuits, comme on dit. Il pleure. L'enfant ne fait pas ses nuits. Il pleure. Papa ne peut pas dormir, maman ne peut pas dormir. Donc, tout ça, ça joue sur le couple. Et puis, l'enfant grandit. À un moment, la maman est tout en train de l'allaiter. La maman s'occupe de lui. Parce que quand tu fais un enfant, il faut t'en occuper. Une femme qui fait un enfant ne peut pas le déposer comme ça. Donc, elle aura au moins 2 mois, 3 mois pour gérer cet enfant. Mais pendant les 3 mois de gestion de l'enfant, là, le monsieur, il est là, il participe. Mais on ne l'a pas éduqué comme ça. Dans son éducation, on lui dit qu'un homme est un homme. Qu'un homme, il doit pas. Il y a des choses qu'un homme ne doit pas faire. C'est-à-dire que même si sa femme est couchée avec le bébé, que les assiettes sont sales, l'homme ne se lèvera pas pour aller laver les assiettes. Donc, tout ça, à un moment, la mauvaise éducation que nous-mêmes on donne. Ah, je suis pas là. Je connais les hommes aujourd'hui à bien ici. Là. Qui font ça. Lavé mamie, ça brille même pour que je sais. Il y en a même qui te font la cuisine comme pas possible. Ah bon. En général, dans les foyers. Mais c'est pas bon. Voilà. Il y a plein de choses qui se passent comme ça et qui sont pas faciles à rattraper après. Donc tout ça là, chacun garde, chacun accumule. Et puis à un moment, les problèmes de foyer naissent. Parce que quand on se marie, il y a des problèmes qui suivent le mariage. Quand tu fais enfant, il y a des problèmes qui suivent. Même quand tu déménages, même quand vous habitez une maison, et puis vous allez ailleurs, il y a des problèmes qui suivent. Parce que là où vous partez, ça peut être un nouvel environnement. Vous étiez dans le studio, vous allez prendre 2 pièces, vous allez prendre 3 pièces. Il y a de nouveaux voisins qui sont là. Tout l'environnement réagit sur la vie d'un couple. C'est pour ça qu'en général, je dis souvent aux couples qui viennent vers moi, je leur dis, mais dans votre couple, vous n'êtes pas deux. Vous pensez être deux, c'est vrai, mais vous n'êtes pas deux. Parce que quand la femme se lève et puis elle va au travail, elle fait une expérience de travail et elle ramène cette expérience à la maison. Quand elle vient, elle voit son mari. Ah mon chéri, aujourd'hui on a fait ci au travail, on a fait ça. Et le mari, ça l'enrichit. Si par exemple un de ses patrons l'a insulté d'une façon ou d'une autre, ou bien lui a fait des remarques, ou bien a coupé son salaire, ou bien a augmenté son argent. Quand elle dit, ah mon chéri, voilà mon patron m'a fait ci. Si c'est l'augmentation, le mari dit, bon, on va s'asseoir. Voilà, désormais tu peux contribuer à hauteur de ça pour le foyer et tout. Mais toi, tu es sûr, non, attendez, écoutez, hein, vous n'êtes pas les gens pour savoir rien. Quelle femme qui va venir dire à quelqu'un que on a augmenté mon salaire, viens partager. Non, moi je ne fais pas semblant. Maman, c'est la seule, non, les femmes font ça. Il dit, il faut laisser ça. Elles maman, font ça les femmes font ça. Il faut laisser ça. Femme ne peut pas venir. Aller, elles ont salaire. Elles ont salaire dans les poches. Elles ne peuvent jamais dire à un homme que voilà ça. C'est toujours l'homme qui paye. Non. Même maman. Elles ont salaire, puis le monsieur paye les transports.
pour aller au travail. Je suis à la d'accord. maison, même si elles ont perdu une ampoule, tout le monde est au courant, il va venir faire point. Monsieur, voilà ce que ça se fait. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, ce matin-là, avec la nouvelle loi, quelle loi ça? Est-ce que tu sais que la loi sur le mariage, rien, par exemple, dit, moi, je t'explique. La nouvelle loi sur le mariage, je n'ai pas l'article, mais si par exemple ton mari ne travaille pas, ton mari a des difficultés que tu as, tu touches un certain salaire, tu es tenu, la nouvelle loi t'oblige à t'occuper de ton mari, c'est-à-dire à l'aider. La nouvelle loi le fait. Et si tu ne le fais pas, le mari a la possibilité d'aller en justice pour dire, voilà la situation que je vis, ma femme ne m'aide pas, veuillez prélever. Et on prélève la femme pour qu'elle donne quelque chose au mari. Parce que l'union, c'est une union de solidarité. C'est toi qui vas créer ça, tu as fait une nouvelle loi. Non, ça est dans la nouvelle loi. Hein. Moi, je ne sais pas, c'est toi qui as créé ça, tu sais pas qui va créer ça. Ça est dans la nouvelle loi. Si c'était dans la nouvelle loi, les gens qui sont dans le quartier, ils ne vont pas souffrir. Non, ça a été voté. Ça a été voté, ils n'ont pas encore voté. Si, maman, si. Qui a mis ça? Si, actuellement, la loi. Ah, donc vous, là, on dit qu'ils ont envoyé loi. Oui, qui la loi est là. Parce que je connais certaines femmes, si elle a payé 2000 kilos qu'elle a fait en bas des hangars, où elle s'asseye là. Attendez, je souffre. C'est quoi ça la même? Le gars, mais il a quand même fait, il va gagner un travail aussi. Hier encore, j'ai payé savon. Quand on vit avec un homme, on est unis. C'est ça. Quand tu n'en avais pas là, il t'aidait. L'homme qui est là, l'homme a un grand cœur, l'homme est très gentil. L'homme, quand il aime une femme, il aide même la famille par rapport à lui-même et sa propre famille. Votre nouvelle loi qui est venue là, je vous dis beaucoup merci. Vous au moins qui contrôlez, quand femme ne donne pas, on va prélever. Ah, maintenant là, c'est comme ça. Hein. C'est parce que les hommes sont gentils que les hommes ne vont pas se plaindre. Hein. Sinon, personne ne connaît pas papier comme moi. Eh, je vous explique. C'est pour ça que c'est important. Vous ne connaissez pas papier comme moi, on dit. Il y a d'aller mon moi, ou là. Pour moi, ils n'ont pas vu moi, du bon. Mon nom, d'un an. On est en poule, père. On est beau, père. Courant, voyant. Oh, que moi, elle doit aller mettre. Elle doit payer. Ah oui. Elle n'a pas en blanc. Donc, mon cœur est monté. En coincé un canot. Mon sadé, quoi, il était là. Moi, ils n'ont pas vu les bois. Mon sadé, quoi. Donc, il faut qu'on parle de ça. Parce qu'il y a des femmes en général, la femme prend un homme comme un mouton. Vous le prenez trop comme un mouton. Voilà, il y a un monsieur qui a le gourmet que j'explique. Il a fait tout. Et sa propre femme, le monsieur surprend sa femme avec son amant. Déjà, le amant, c'est un gros bras. Donne un coup de tête au mari. Mari a pris KO. Et madame, maintenant, qui s'est emportée même plainte à la gendarmerie. C'est pas bon. Après d'envoyer les gens, vont donner un coup de tête aux pauvres. Parce que le monsieur t'aime. Tu veux plus là, on a des enfants, je vais me retirer. Il n'y a papa là. La mort de maintenant, on ne sait plus qui tue quelqu'un. On ne sait même plus. Donc quand tu ne veux pas d'un homme, il faut lui dire la vérité. Parce que moi, j'ai déjà dit que j'ai dit, entre les cesses, entre les jambes là, on doit avoir les télécommandes dans les petites poches des hommes là. Ils sont en train de toucher les fesses de ta femme. Ça doit faire qui en ont. Tu dis, ah, ils sont sur ma femme, hein. Parce que votre loi, vous avez envoyé, peut-être c'est ce matin. Moi, comme je ne connais pas papier là. Je vais te donner les différents articles. Mes enfants vont lire ça. C'est obligé de s'assister dans le. On dit maintenant, vous, quand vous travaillez votre salaire, moi, quand ils m'ont donné mon salaire, je n'ai même pas caché. J'ai montré à mes parents. J'ai dit, ah, voilà, radio, comment la manière qu'ils vont m'entretenir. Tout le monde était content, on a chauffé pour ça. Donc, si vous avez un petit. Il n'y a rien de tel que tu dis à ton mari. Le monsieur n'est qui dehors, il voit, il y a une belle chemise là. Mais femme, elle va payer une belle chemise aujourd'hui. Le jour, il y a petit palabre. Toi, tu es qui? Ce que tu portes, à qui t'a donné ça? Les femmes aussi, nos bouchons, c'est trop palabre. Maman, aussi, le truc, c'est quoi? Moi, je dis toujours, hein, chacun fait son expérience de vie. Une femme peut être bien dans son foyer et une autre peut ne pas être bien. Une femme peut réagir d'une certaine façon et puis une autre peut réagir d'une autre façon. Mais chaque couple a son histoire. Chaque couple a sa réalité. Il y a des femmes, par exemple, qui ont souffert avec leur époux. Qui ont souffert avec leur époux. Et quand ça commençait à marcher pour le monsieur. Moi, là, ceux-là, je parle. Où tu as parlé qui m'a intéressé, là? Où on dit, quand la femme gagne, elle doit venir aider son mari. C'est la partie. Comment je demande? Et je pense que ce serait bien de faire une émission sur cette nouvelle loi. Non, mais tu as envoyé déjà. Nouvelle loi, là, qui a fait ce sujet? La nouvelle loi, ça a été voté à l'Assemblée nationale et tout depuis quelques années. Voilà. Et même, c'est pour ça même qu'aujourd'hui, par exemple, avant, c'était l'homme qui choisissait seul le domicile familial.
Mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi, les deux doivent s'accorder pour choisir une maison. C'est-à-dire, le monsieur ne peut pas choisir une maison, il peut venir dire à sa femme, voilà la maison que j'ai choisie. Oh, oh, ça ne se passe pas ça comme se ça. Passe à il ma faut que, il faut que la femme là-bas. Quand on arrive, on a déjà choisi une maison, on s'en lave dedans. Il faut que c'est à ma corée, votre deux plateaux. Yopougon, quand tu arrives déjà, il dit, va prendre ça, tu vas laver là-bas. Il a choisi. Tu es content, tu ne veux pas, tu vas aller dormir dedans. Mais c'est à ma corée, en fait, c'est ça. Reconnaissons que dans la pratique, ce n'est pas encore la nouvelle loi. Sur le mariage, je dis, si c'est vraiment cette loi, si c'est arrivé, c'est très bon. Oui. Parce que quand on vit ensemble, en principe, on doit s'aider. Moi, par exemple, je n'ai pas la autre voie, je peux aller dormir chez une parente. Mais matin, bonheur, je fais le marché. Je ne dépose plus, je m'en vais. Ah, là, c'est là où tu es, je suis partie. Mm-hmm. Parce que je sais que j'ai utilisé ton courant, j'ai utilisé la place où les gens devaient dormir. Mais des gens, ils vont dormir là, jusqu'à même poussière, va me prendre notre là. Ils ne vont même pas balayer, parce qu'ils attendent que toujours on essaie. Mmh. Il faut apprendre les bonnes manières. Tous mes parents, ils vont dire, c'est comme ça, Marie l'a fait. Quand j'arrive chez toi, tu ne m'as pas appelé, puis je suis ma soeur, dis-toi déjà, je suis en train de voir ce que je dois laisser avant de partir, parce que j'ai ma dignité. Est-ce que tu vois? Même si je ne suis plus mariée, mais l'éducation, c'est ce que tu viens de dire, on apprend ça à base, à la manière que ça a commencé. Mais pour les femmes qui disent, femme va venir habiter ici. C'est que c'est vert ici, c'est pas encore descendu à Yopougon. Elles n'ont même pas le temps parce qu'elles s'en vendent ses porcs sur la route. Elles n'ont même pas le temps pour te dire que ouais, son agent, même femme de Yopougon, tellement qu'elles sont courageuses, mes filles là. Donc elles ont quatre guines d'écouter. Oui, elles mettent pas le moment que le monsieur me voit enlever là. Souvent il transfuse, il est obligé, par deux ans, il ne peut plus. Par une chaîne d'écouter là, c'est tellement lourd, il ne peut même pas. Maintenant, tu te dis 4 heures du matin, il m'a vendu. Donc apprenez, c'est les deux mains qui se lavent. C'est les deux mains qui se lavent. Si aujourd'hui, bon, j'ai toujours dit que j'ai dit, on n'a pas besoin de connaître tout papier, tout temps pour devenir ce qu'on est. Moi, je ne connais pas papier, mais c'est le don que Dieu m'a donné. Mm-hmm. Mon mari me disait, un jour, tu vas passer à la télé, parce que la manière que tu causes là, les gens aussi ont besoin de tes conseils. Est-ce que tu as vu? Mm-hmm. Donc là, les femmes, on doit s'aimer. Parce que tu as dit, il y a des hommes souvent, ils gardent. Tu es ma fille, tu suis. Il y a des hommes qui gardent. Moi, j'ai les gens qui viennent vers moi. Que, maman, ton fils, là, tu le fais ici, il est bien ici. Hein. Mais maman, il garde, il est rancunier. C'est pas bon, la rancune tue. J'ai dit, mais tu es rancunier là. Un matin, la nuit, Colette peut te prendre, tu peux serrer son cou. Oui. Mais quand vous partagez, c'est quand même bien. Il faut être des amis quand on vit. En quand vous partagez. Il faut être des amis. Même si les sujets qu'on doit aborder sont difficile, mais il faut toujours mettre l'amitié. C'est pour ça que je dis souvent, les meilleurs couples, ce sont ceux qui ont su rester amis. Et ce sont ceux qui ont su s'adapter aux différents changements de l'amour. Parce que au tout début d'une relation, à 20 ans, 25 ans, on est fougueux. Il y a des choses qu'on fait, on se prend la main, on se fait des bisous partout, machin. Mais à 90 ans ou à 81, on a d'autres priorités. Il y a des choses qu'on peut, on n'a même pas la force, mais souvent, d'attraper un objet. Donc, il y a des choses qui changent. Mais ce qui reste, c'est les moments de tendresse, les moments d'affection, les moments d'amitié. C'est aussi les souvenirs. Je dis souvent au couple, quand vous êtes ensemble, arrangez-vous pour avoir de bons souvenirs ensemble. Mmh. Emmener sa femme à la plage ou emmener son mari à la plage. Lui faire de gros cadeaux, lui faire des surprises. Quand après la période sexuelle passe, quand à un certain âge, on n'a plus de sexe comme on avait au début, qu'est-ce qui reste dans la relation? C'est ça, c'est ces moments-là. C'est ce joli moment-là qui vous permet de tenir. Il y a pour qu'on couille toujours. En même temps, il y a pour qu'on s'en même temps. Non, on couille. Non, on ne connaît pas. Là, on te couille. On s'est éclaté des couillements. Là-bas, on couille les gens. C'est en même temps, vaut mieux. Moi, là, on couille. On ne sait pas si c'est bon. Quelle plage qui va quitter, je pourrais juste aller faire à moi à la plage là-bas. Il y a Azito, comment ça s'appelle? Azito, c'est pas. Non, 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 le quoi? Moi, mon mari m'a pas derrière. Je suis à quelques minutes. Là-bas, nous, c'est le couillement. Regarde, par exemple, moi, la seule, quelqu'un qui m'envoie un message. Moi, je vais lire le message et je vois les enfants me regardent. On me dit, ah, la vieille, il y a un monsieur qui dit que lui, vraiment, tu fais bien l'amour, il t'a couillé, ça fait pas. C'est ça, il lui a dit, ah, Seigneur, il faut lui dire, vraiment, faut le. Pardonne-le pour moi, il ne sait pas ce qu'il dit. Tu sais qu'il y a des hommes et même des femmes qui sont comme ça. C'est-à-dire, on voit des personnes connues, des personnes célèbres. On se laisse. Voilà, ils pensent qu'on se laisse aller. Ou encore, ils inventent même des choses. Oh, celle-là, je suis sortie. Oh, celle-là, avant-hier, même on était ensemble. Oh, celle-là, c'est ma go. C'est ma copine. Et c'est comme ça, maman. Ah. C'est comme ça que les gens font. Et ils t'envoient même des messages pour que tu répondes. Et puis après, ils vont aller montrer à leurs amis pour dire, ah, mais je n'ai pas dit. Ah. Voilà, on est ensemble. Elle m'a répondu. Si, c'est voilà. Mon message, il a 100 ans. Je ne sais pas comment. Il n'y a rien. Donc, ma fille. Je sais que ce n'est pas mon émission, mais il y a une question que je
veux poser. Moi, je t'écoute. Comment est-ce que tu fais, maman? Oui. Comment tu as fait? Oui. Comment tu as tenu? Oui. Durant ces 30 ans pour ne pas aller avec un homme quand tu as perdu ton mari. Comment tu as tenu? Merci. Parce que je pense que ça aussi, ça peut être utile. Non, non, moi, je suis très contente de ta question. Tu sais, l'amour, c'est de là. Ça se passe dans la tête. Ça se passe ici, ma fille. Est-ce que tu vois? Personne ne peut me croire, mais mes enfants, ils peuvent croire. Parce que c'est des grands garçons. C'est ça. C'est des grands garçons. Parce que je peux avoir un homme dehors, mais forcément, un jour, il va venir à la maison. Oui. On ne va pas rester tout caché. Il peut venir un jour pour dire, ah, mes enfants, je vous présente votre papa. Mais les enfants, quand les gens, ça les fait rire, ils disent, maman, quand elle finit de parler, après même ma cuisine, quand tu arrives dans mon restaurant où je vends, mais je taquine tout le monde. Parce que dans la vie, quelqu'un est chargé chez lui. Quand il vient dans le restaurant, il faut le mettre à l'aise pour qu'il oublie certaines choses. Sinon, l'affaire de couiller, ma propre fille, ça se passe ici. Aujourd'hui, là, tu es dépassé, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Parce non, que, je crois, c'est possible. Non, c'est je parle de toi. J'ai dit aujourd'hui, tu peux même oublier tout. Puis tu dis, bon, affaire de garçon, moi, j'attends. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Je ne pense même pas à ça. Quand je rentre, bon. Si tu es occupé, si tu as des choses à faire, il y a les enfants, tout ça. Tu n'as pas le temps de penser à ce genre de choses. Tout ce que je dis, quand chaque matin, j'appelle tous mes enfants, je cause avec les petits-enfants. Allô? Oui, tata? Ah, ça, on dit quoi? Quand j'attends les voir, moi, je suis déjà bien. Mais pour dire qu'à l'air, là, j'ai dit déjà, je peux mentir à l'homme, mais Dieu même sait. Il dit le jour, toi-même qui m'as mis sur la tête, que tu vois quelqu'un soulever mes pieds, il ne faut plus accepter ça. J'ai dit, je ne fais plus. C'est la décision de moi-même. Ça c'est vient la, de c'est moi-même. La réponse, c'est la réponse que je voulais entendre. Ah, merci. C'est ça, la réponse. Il n'y a même pas de problème. Voilà. Donc, il faut te dire que l'amour, tout c'est une question de choix. C'est un truc de choix. Est-ce et que tout tu vois dans la tu tête. Peux mettre avec quelqu'un sur le lit. Il fait tout, tu ne le calcules même pas. Tu ne sais même pas ce qu'il te fait. Il n'a qu'à faire toutes ses phases. C'est clair. Il te dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as quel problème? Mais parce que ton idée n'est pas... Il y a un formatage qu'il faut faire, en fait. Il y a un formatage dans la tête qu'il faut faire. Donc, moi, j'ai vu une dame même qui était en quoi jeu que moi. Elle me dit, mais la seule, ton émission, vraiment, ça a pris le quartier, vraiment, on est fond de toi. J'ai dit, mais toi, tu as quel âge? Elle m'a dit qu'elle avait 80 ans. J'ai dit, mais tu es belle. Elle dit, mais oui, ma beauté, parce que j'ai fait tout l'amour. J'ai dit, ah, toi, ah bon, toi, on te couille toujours. Toi comme ça là, donc ça veut dire on va avertir William Civil si c'est à Yoko, oh, toi aussi. Là, mais comment tu peux raconter à ton âge, je crois que tu allais me dire non. Maman, il n'y a pas d'âge pour ça. Non, il n'y a pas d'âge. Il y a d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non, y a pas en d'âge. Afrique ici, y a pas en d'âge. Afrique ici, l'âge maman. D'amour présentement chez moi, c'est même, de t'asseoir avec un homme. C'est l'homme qui n'a pas d'âge. L'homme, à 100 ans, il peut toujours collaborer une même femme. Même la femme. Mais la femme aussi, elle doit avoir d'âge. Même la femme. Et à un certain moment, tu ne fais plus l'amour, vous causez d'amour. Pour que les enfants demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que tu vois? Quelqu'un de 80 ans, je vous dis qu'elle a 80 ans, quand j'ai montré mes filles, elle dit, mais moi, je suis âgée que toi un peu. Elle dit, mais moi, quand tu parles d'amour comme ça, à cause de toi, donc toi, tu parles de quoi? Elle dit, moi, j'ai fait encore. Elle dit, toi. Oui, mais maman, ça donc, dépend. Non, c'est question. Elle dit, ceux qui s'en vont avec elle, là, je vais dire à ses enfants, si elle est tombée, ne l'envoyez pas à l'hôpital directement au sud. Non, ça peut être un homme de son âge. Ça peut être un homme de son âge. C'est qu'elle dit qu'elle prend coup là. Une femme qui s'est mariée il n'y a pas longtemps. Non, non, c'est qu'elle dit que ça lui plaît là. C'est pas un homme de son âge. Ah, bon, d'accord. Là, c'est les jeunes là. C'est pas. Là, non, c'est, là, c'est un autre c'est cas. Eux qui la prennent. Sinon, un vieux à l'aise, il n'a pas le temps pour 80 ans pour lui mettre à l'aise. Elle sait où elle s'en va. Non, ça, donc, c'est un autre cas. Maman, ça, voilà. C'est vraiment un autre cas. Donc, il faut te dire que l'amour, moi, j'ai toujours dit que quand on n'en veut plus, on ne parle plus de ça. Quand on ne veut plus d'amour, on ne parle plus. On doit bénir seulement. Ah, mes enfants, vraiment, je suis fière de vous. Quand je viens là, maman, tu n'as pas déjeuné. Maman, tu n'as pas fait ça. Arrêtez camion. C'est ce que la seule veut. Moi, quand je vois comme ça, pourtant, j'ai mon grand garçon qui m'a pris comme si vraiment qu'il n'y avait plus de mère sur la terre. Et quand l'enfant a disparu, ça m'a fatiguée. Parce que c'est moi qui devais me perdre pour que lui me cherche. Mais lui, c'est lui qui disparaît depuis l'an 2011. Souvent, j'ai deux films à la télé. Moi, je regarde beaucoup western. Les regards, les catch pour voir parmi les gens si mon fils était corabillé. Donc, aujourd'hui, je me dis que Dieu a mis l'oubli en tout, dans notre cœur. On peut oublier. Sinon, ce n'était pas facile. Hein. Donc, depuis ce temps, si tu viens chez moi, ma fille, je vais te donner des conseils pour que toi, moi, j'ai besoin encore que tu m'envoies encore tes enfants. Tu es encore très jeune. Quelqu'un encore peut venir vers toi. Vers qui? Tu veux pas aussi. Maman, pardon, faut laisser ça. Mais on peut venir te prendre. Non, les histoires de foyer, là, c'est trop compliqué. Non, c'est non. Compliqué. Non, ça complique comment? On préfère s'asseoir, donner des conseils. Mais tu vas devenir lesbienne. Non, pourquoi? Ah, mais comment, pourquoi? Tu es encore là? Parce que tu es encore très belle. Naturelle, depuis que je t'ai connue, il n'y a pas un jour, tu
tu as gardé ton teint. Oui, mais beauté la, beauté fait, la beauté là ne fait pas tout. Mais ça fait quelque chose. Non, quelqu'un va te prendre. Qui à qui? D'accord. Moi, j'ai besoin d'un beau si j'arrive non, à je n'ai pas encore fini avec mon affaire. Mais ça va je finir. N'ai pas fini avec mon affaire. Fini. Dieu va te bénir. J'ai des enfants. Maman, j'ai plein d'enfants en Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. Oui. J'ai même pas fini de m'occuper de mes enfants. Non, d'accord, ma chérie. Ils vont pas s'occuper de tes enfants cadeaux. Il y aura des gens contre qui sont venus vers toi. Tu vas me dire, alors, tu es où? Viens voir ton beau-fils. Ça, c'est quelle prophétie? Et je sais que Dieu a déjà écouté cette prière. Donc, ma fille, moi, quand on quitte mon antenne là, tu es déjà bénie. Hein? Tu vas me dire, maman, hé, hey, maman, alors, l'émission là, c'est ça. Parce que c'est que les gens, quand on dit la vie, c'est qu'on dit, on cache là. Toi, vraiment, ton émission, tu as bien fait. Ça fait que nous tous, même, il y a des grands de ce pays qui m'appellent, allô. Vraiment, on entend de t'écouter. Merci. Il faut quand même dire certaines choses pour défouler certaines choses. Parce qu'il y a des gens, ils sont coincés dans les affaires, ça les chauffe. Quand tu vois les enfants qui m'ont écouté là, souvent il n'y a pas de batterie, il faut que ça tienne comme ça. Parce que ça le dérange. On a pris de l'âge, on doit prier, bon Dieu, pour nos enfants. C'est ça. Nous allons prier pour eux. Pourquoi on les a envoyés? Nous, on est venus en mission. Quand tu mets déjà un enfant au monde, c'est une mission que tu es venu déposer. C'est une grande responsabilité. Voilà. Donc tu dois partir, mais prie chaque matin quand je suis couché chez moi. Je prie Dieu pour tous ceux qui sont auprès de moi. Ceux qui font que moi-même je gagne à manger, je prie bon Dieu pour eux. Donc ma fille, mon émission ici, c'est Gourmet Sucré. Le fait qu'on est venu, tu as partagé même l'amour avec moi, vraiment je suis très contente. Merci. Je sais qu'avec sortir à la télévision, les enfants m'envoient des grands artistes. Il y a un monsieur qui s'appelle Diamant qui est aux autres. Ça fait que je cause avec tout le monde. Moi, on ne m'invite plus. C'est moi maintenant qui invite. À l'époque, on me dit, bon, on reçoit ce soir, là, sur notre antenne, ou bien tant. C'est moi maintenant aussi. Hein. Vous aussi, venez, je vous reçois ici. C'est la seule lors de tout le plus. En donc, tout cas, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup, maman, pour cette émission. On a parlé de tout. Hein. On a parlé de tout. Une causerie entre copines. Là, hein. C'était chic. Hein. Chic de... voilà. Mais j'aimerais dire aux hommes, il faut arrêter de bouder. La vie est courte. Ça t'a marqué, on t'a trop boudé. Bon, enfin, la vie est courte, maman. La vie est courte. Non, mais depuis la dans boudée, les... Oui, dans les... Si on te boude maintenant, voilà, c'est clair. Non, il y a l'expérience. Attends, allez, maman, quand on te boude maintenant, tu vois qu'il te boude là. Il faut souvent. Il n'y en a pas, maman, il n'y en a pas. Il faut laisser. Oh, pardon, moi, il n'y en a pas. En faisant ça là, tu fais ça. Mais je vais faire ça. Pas voir ça là. J'ai dit, j'ai fait ça à qui actuellement là? Mais j'ai perdu mon mari, maman. Mais est-ce qu'il est parti à la clé de ton truc là? Pardon? En bas, il est parti à la clé de ça. Il est parti avec. Ah, donc, Vachette, elle est cachée. Donc, cachée, Vachette là. Mais c'est pas possible. C'est comme ça qu'on a assis le plateau. Voilà, voilà. Mais tu n'es pas bien. Non, ben, tu n'es pas bien. Vachette, tu as mis dessus. Monsieur Vachette, avant, cassé ça. Non, c'est. Quand tu es journaliste. Maman, ça, là, c'est... Non, mais c'est combien de temps? Je fais un veuvage chrétien. Le veuvage chrétien, c'est 6 mois. Hein? Levé de tout deuil. Tout ce temps, 6 mois, tu es là. Levé de deuil. Je veux faire plus. Et je veux faire plus. Parce qu'il y a des choses que je me suis assignées. Tu n'es pas encore tombé. Ce que tu dis là, c'est facile. Parce que tu parles, mais tu ne parles pas fort. Je dis. Tu sais pas, avec moi, tu as raconté ta petite vie là. Tu parles, mais tu ne parles pas fort. Tu ne veux pas me laisser faire ma conclusion. Non. Tu ne veux pas me laisser faire ma conclusion. 6 mois de... Donc, je voudrais dire au couple, quand on vit en couple, c'est pour être heureux. Mm-hmm. C'est pour être heureux. Quand il y a des difficultés, des problèmes, il faut s'asseoir, il faut en parler. Il ne faut pas garder ça dans le cœur. Faut pas créer la haine dans le foyer. Non. Faut pas faire des palabres tous les jours. Et puis les enfants en sont traumatisés. Moi, je dis toujours, le choix, c'est 2 personnes. Mm-hmm. C'est vrai qu'on a des familles. On dit souvent, quand tu épouses un homme, quand tu épouses une femme, il y a les familles. Tu épouses aussi les familles. C'est vrai. Chacun a son comportement. Mais je dis toujours, quand ça ne va pas, faut avoir le courage de se parler. Faut avoir le courage de se le dire. Faut avoir le courage de se séparer ou de faire une pause. De faire même une pause, ça existe dans la vie des couples. On fait une pause pour voir si on est vraiment fait l'un pour l'autre. Parce que ce qu'on ne dit pas, on se marie, c'est vrai. Mais est-ce que vous êtes compatible? Mm-hmm. Les débuts, là, tout le monde est compatible. Au début d'une relation, là, tout le monde est compatible. Et puis au fur et à mesure qu'on s'installe dans la relation, on voit maintenant si ça peut continuer, si ça ne peut pas continuer, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché et tout. On fait des bilans parce que souvent si nos couples d'ici là, on ne s'assoit pas, on n'a pas de temps pour faire bilan. On vit 5 ans, 10 ans avec quelqu'un, on ne fait pas de bilan. Pour s'asseoir, pour dire bilan, en tout chose on fait un bilan. Parce que le couple c'est une entreprise, maman. Le couple là, c'est une entreprise. On fait le bilan. Dans le bilan, un entreprise pour ton couillère qui te coûte, oui, le paye. Pour savoir si depuis qu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on a construit?
Depuis qu'on est ensemble, est-ce que les enfants sont bien éduqués? Depuis qu'on est ensemble, est-ce que nos familles respectives sont heureuses? Depuis qu'on est ensemble, est-ce que... Mais est-ce si le normal... papa aussi est bien chaque... éduqué, les enfants sont si mal éduqués, les enfants sont mal éduqués. À chaque fin d'année, mais on peut rattraper. Il y a des choses qu'on peut rattraper avec les enfants. Mm-hmm. Il y a des choses qu'on peut rattraper, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on peut rattraper. Donc, c'est pour ça que dans certaines maisons, il y a des réunions de famille. Les dimanches, papa, maman, enfant, tout le monde s'assoit et puis comme on le dit, on se parle. Pourquoi on n'a pas temps? Voilà. Ça me dit, maman, on est dans ma fille. On n'a pas temps pour mettre les enfants. Donc voilà, l'harmonie dans les familles, parce que tout part des familles. Aujourd'hui, on se plaint qu'on a des problèmes dans notre société, mais c'est parti d'où? C'est parti des familles. Mm-hmm, c'est vrai. C'est parti des familles. Quand ça ne va pas, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup d'ailleurs auprès du ministère de la famille, de la femme et de l'enfant, la base, c'est la famille. C'est ça. Dès l'instant où on rate quelque chose, dès l'instant où l'enfant, tous les jours, voit ses parents se battre dans la maison comme des chiffonniers, l'enfant, là, il est perturbé. Demain, là, il serait une perturbation pour la société. Il serait une perturbation pour la société. Il n'y a rien à faire. C'est vrai qu'il y a, donc, il y a beaucoup de sujets. Oui, mais il y a, aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants perturbés. Mm-hmm. Mais on voit, ça se voit dans notre vie de tous les jours. On voit comment les enfants se comportent. On voit comment les parents se comportent. On voit comment le sexe a pris le cœur des parents. On voit comment dans certaines familles, même les parents sont avec les enfants sont avec les parents. On ne sait plus où on va. On voit des enfants qui insultent les personnes adultes comme les pas possible. Qui les des parents. Enfants qui ne veulent même pas aller à l'école, des enfants qui giflent les professeurs. Mais tout ça, ça vient d'où? La base, la famille. Je milite beaucoup. Mais moi, j'ai dit, ma fille, quand un enfant qui insulte son professeur, son maître, il s'insulte lui-même. Le maître, lui, il est déjà installé. Et toi, tu vois, il y a un coin à William Civil, à Yopougon, leur collège. Chaque fois, ils font, les enfants, ils ont un groupe. Et puis, il y a du tapage. Un jour, j'ai tout fait écraser. Mon bébé, tu fais quelque chose. Il dit, la vieille, je suis en terminale. Il dit, mais. Il dit, non, c'est. La vieille, le professeur a foutaise. Mais si toi, tu parles de professeur qui a foutaise, toi, mais tu as dit ton professeur, et puis tu lui dis, il a foutaise, mon fils. Il faut avoir pitié de moi. Je ne te connais pas, mais tu es mon petit-fils. Il ne faut pas avoir cette habitude-là. Les parents souffrent pour vous mettre à l'école. Il y a des parents même qui ne font rien. Ils s'engrouillent pour payer tenir kaki, pour que son fils aussi aille à l'école. Et toi, tu as un groupe. Quand tu dis, ben, tu sors, ta mère, tout le monde sort de la classe. Mon petit, pour le moment, tu ne sens pas. Hein? Mais il y aura un jour, quand tu vas t'asseoir, c'est tard. C'est ça. Quand tu vas t'asseoir, c'est tard. Donc, le monde-là, si ce n'est pas tes parents qui ont dit qu'il faut aller faire du tapage. Respectez les professeurs. Il faut, hein. Il faut être discipliné. Ici, à chacun connaît son travail. Moi, je dis, si j'ai fini de parler, je m'en vais. Il y en a, mais ils vont rester sur la parole là jusqu'à matin. Chacun vient, mais toi, au moins, tu es en train de faire du tapage. Tu t'en vas demain. Le professeur, Togo, c'est pas lui qui a quitté l'école. Son salaire est là. Et puis, toi, ton père dit, bon, comme tu fais ça aussi, quitte la maison. La rue n'a jamais pris de grossesse. L'enfant de ça. C'est vous-même qui faites. La rue n'a jamais pris de grossesse. Les pauvres mamans, nous, on souffre. Et quand on voit qu'on dit, on a attrapé ton fils, il est ici, la maman devient folle. Si tu vois souvent, il y a certains parents qui te disent, je ne veux plus là. C'est parce qu'ils sont fatigués. Sinon, on ne peut jamais dédesser un enfant. C'est clair. J'ai une nièce à ça, son fils, chaque année, lui, il fait prison au moins 3 fois. Mais à un moment, la femme dit, elle ne peut plus. C'est pas parce qu'elle dit, je suis fatiguée. On le fait sortir, on fait tout, on n'a qu'à lui faire comment. Donc, il faut te dire que nos enfants là, apprenez à respecter. C'est parce que Jésus à respecter sa maman Marie, et puis elle lui a donné la victoire. Est-ce que tu vois? Dans le respect, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. Et j'ai dit à tous mes enfants, que tu sois mon enfant ou pas, moi la seule, quand je te bénis, ça passe. Quand je dis c'est comme ça, ça passe. Et je vais toujours dire merci. Mais ça, merci, ça, merci quand même à Jean-Pierre, vraiment qui fait tout. C'est un monsieur, un grand monsieur de ce pays. Mais quand il vient te saluer, il s'abaisse. C'est ça. Il laisse tout le monde. Mais c'est la base, justement, apprendre ça aux enfants à bas âge. Quand on donne quelque chose à ton enfant et que tu ne peux pas dire à ton enfant, dis merci au tonton, il y a un problème. Quand ton enfant se réveille le matin et puis il est dans la maison, il cherche à manger, il cherche à faire autre chose, il ne dit même pas bonjour, mais il y a un problème. Toi-même, le parent, tu dois te poser des questions parce que ton premier réflexe, quand ton enfant se réveille, qu'il ne te dit pas bonjour, tu lui dis bonjour. C'est ça. Tu lui dis bonjour autant de fois. Et si tu le fais tous les jours, l'enfant, à un moment, il est habitué à dire bonjour. Quand il veut demander quelque chose, donne-moi. Non, tu lui dis s'il te plaît. C'est ça. Donc l'enfant apprend à dire s'il te plaît. C'est nous-mêmes les parents. La société dans laquelle on est là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes les parents d'aujourd'hui là qui avons créé tout ça. C'est nous. Donc là, on est obligé aujourd'hui de travailler sur les générations qui sont à l'école primaire aujourd'hui. Parce que les générations qui sont au collège, mais c'est même plus évident. Mais les enfants qui sont au primaire, là, c'est sur eux que nous devons travailler, que ce soit les parents, que ce soit le corps enseignant, que ce soit même
le gouvernement qui doit instituer justement des sessions de civisme pour nos enfants. Tout ça, ça n'existe pas. Mais on fait des écoles, par exemple, de make-up pour apprendre à se maquiller, des écoles pour apprendre à chanter, des écoles pour apprendre à... Mais on n'apprend pas à nos enfants à vivre en société, à vivre le civisme. On n'apprend pas ça à nos enfants parce qu'on le fait à l'école. Mais est-ce que les enfants le pratiquent au quotidien? La question reste posée. Moi, ce que tout ce que je pouvais dire quand même pour dire... Bon, vraiment, je te remercie encore plus. Ça va quand même répondre à mon émission Gourmet Sucré. Tu as tapé à la bonne porte. Avec le Gourmet Sucré, vraiment, on se partage toutes les idées. C'est ça. On se retrouve vraiment dès aujourd'hui. J'espère que c'est ta maison. À n'importe quelle heure, vous êtes toujours invités sur mon antenne. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur l'émission Gourmet Sucré. On se retrouve vendredi prochain.